je suis le mec qui a fait qu'une chanson dans sa vie, hein. Bien connu. Et ben non, il y a 10 albums. Une petite anecdote sur ce Max. Comme quoi les choses nous échappent, hein, parfois. J'ai toujours été cancre à l'école, je me retrouve dans les livres d'école à côté de Baudelaire, qu'a voulu dire l'auteur et tout, et j'ai ma petite nièce qui a un devoir à faire un jour avec cette chanson, explication de texte. Alors, du coup, elle vient me voir, dis donc, et tu peux m'aider sur ce coup, je peux pas dire non, elle est en quatrième. Donc, je fais le devoir. Résultat des courses, 9 sur 20. Avec en rouge dans la marge, vous n'avez pas saisi la pensée de l'auteur. Bon, je me suis dit c'est peut-être vrai, et j'ai fait un bouquin de 300 pages pour essayer de saisir ma pensée. Je ne sais pas si j'y suis arrivé d'ailleurs. C'est vrai que quand je fais une chanson, en général, je comprends ce qu'elle veut dire 2 ans après. Donc on s'en débarrasse, on l'a fait en premier. Choriste et tout, donc les filles, vous faites la tierce. Hein? Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font tout autour de lui les poissons dans la. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent.
Alors, il est très charmant, ce chanteur, il fait des gentilles chansons, il est libre max. Eh ben non. Un rouspéteur de temps en temps. Alors évidemment, il y a 10 albums. Bon, vous connaissez qu'une chanson, donc c'est énervant quelque part. Surtout le dernier, j'en ai fait un super. Tout le monde s'en tape. Ça, s'il est là tout à l'heure, vous pouvez l'acheter, hein, parce que moi je l'ai écouté, c'est génial. Donc il a généré une chanson de rouspétance où je dis un peu ce que je pense de du paf, comme on dit. C'est un peu le coup de gueule. On est tous là pour pousser un coup de gueule ici. Un album à déplumer les anges et tout le monde s'en tape. Excusez si je dérange, mais zappé de l'affaire. Ce beau bébé, ça frise le prix de bien contre l'humanité. Je leur ferai bien les honneurs d'un lâcher pitbull à tous ces jolis cœurs qui de la Sainte-Ursule à la Sainte-Isabelle nous tambouillent les ondes sans y couler de miel une seule seconde. C'est vrai que ça me gonfle, comprenez l'artiste, de voir les médias qui ronflent devant cette malice. Y'a pas de justice, pas le moindre interstice, pour glisser sa prose dans le poteau rose. Alors tu comprendras que la panique s'immisce, Saint-Office, maléfice, fini l'armistice. Faut tirer à mitraille, pointer la sulfateuse, et ouais ma petite caille, t'es malheureux, je sais. Qu'elle donne la vie d'artiste depuis que le tiroir caisse a pris le pouvoir. Sainte Madone, comme c'est devenu triste, y a plus de place pour mes belles histoires. Ah, que ça me fait de la peine, misère humaine, tu m'assassines. Moi qui rêvais d'être sur scène, je meurs oublié dans la cuisine. Alors bien sûr qu'on s'exaspère, tous ces chefs-d'œuvre à la Vologne. Alors bien sûr qu'on se met les nerfs. Ces billes de plumes qui font les Danny Boone, les pim pam poum sur nos écrans plats, tous ces cuits d'agrumes que le paf colporte, abaisse un peu le volume et que le diable t'emporte. Y'en a des qui se demandent, mais quelle mouche le pique, prise de glande réprimande ou divine colique, va savoir ce qui se passe dans la petite tête d'un mec aux oubliettes, le doigt sur la gâchette. Sur les télés d'arsouilles qui se tamponnent jeunesse, laisse si t'as pas la trouille, tapiner le droit d'aînesse, le temps d'un shrapnel en dédicace à Polichinelle et sa divine pétasse. Mais qui va se décider d'aller tailler le costard aux quatre sourdingues de la nouvelle star qui se pose en oracle de la pire débâcle, à faut mettre un terme à tous ces balivernes. La carotte, le navet, la patate et l'artichaut qui a la cote parfaite. L'audimat est au plus haut, le standard éclate sous les votes qui vrognent, sous l'œil de Ponce Pilate qui s'en lave les poignes. Ah, que ça me fait de la peine, misère humaine, tu m'assassines. Moi qui rêvais d'être sur scène, je meurs oublié dans la cuisine. Alors bien sûr qu'on s'électrise devant ce staff au cœur de pierre qui dit qu'on n'a plus que nos valises. Ces tranches de cake entre les hortensias qui guettent, qui jettent quelques cacahuètes. Allez, vas-y, l'artiste, prends ta gratte et plug-toi. Mais pour la playlist, tu repasseras. Tu m'étouffes, grande garce, tu me saoules, tu me crèves. Mais arrêtez cette farce, chant la houle qui se lève. Pour linguer des sornettes, des Vésuves d'ineptie. Va falloir faire place, n'est pas ici. Comme tu m'étonnes, t'as le bonjour de la patronne qui se flingue les gourdes à triper comme une gourde sur des rives de naze pour ploupe de base, comme une gymnase en quête d'extase. En guise de politesse, moi je lui montre mes fesses à cette volée moineau tombée de la dernière pluie qui claque la lourde de son antenne poubelle, fermée comme une palourde à tout ce qui vient du ciel. La vie d'artiste, depuis que le tiroir caisse a pris le pouvoir. Sainte Madone, comme c'est devenu triste, y'a plus de place pour mes belles histoires. Ah, que ça me fait de la peine, misère humaine, tu m'assassines. Moi qui rêvais d'être sur scène, je meurs oublié dans la cuisine. Voilà les amis.
amis, voilà, voilà ce qu'il dit, c'est ce qu'il en pense, le mistigris. Christianie, en oubliant, quel gâchis quand on y pense. De faire une chanson plus sérieuse sur un pote qui est plus avec nous. Il s'agit de Bachoun. En fait, mais dans le fond là, vos gueules. Ouais, écoutez. On peut pas, c'est vachement important là. Les mots. Donc, oui, ils ont fait un hommage une fois, Taratata. Là, je sais pas si vous avez vu, ils faisaient chanter les chansons des gens. Tout le monde chantait Bachoun, c'était pas bien du tout, ils n'avaient pas trouvé les bonnes rencontres entre les interprètes. Bah bon, moi je me suis dit, je vais lui en faire une. Mais tu alors sais, on a eu Jean Fauque, comme ça, qui était là la dernière fois. Ouais. Voilà. Ouais, il va être cité voilà. Dans la chanson Jean, parce que je parle de ses auteurs. Et en fait, bon, on a fait la guerre ensemble, on a fait la Révolution française, une des premières comédies musicales. Pour quelle année on était nés là, on avait 18 ans tous les deux, on n'était pas connus. On a fait les 400 coups, et voilà. Et là, on a tous les deux eu la même maladie, il s'en est moins bien sorti que moi. Et donc, j'ai fait une petite chanson. Tout est légitime. Je me souviens.
printemps. Quand on prenait la Bastille, eh ouais, c'était le bon temps. On avait toutes les filles, on s'est pris tous les deux. De mes deux, fier de mourir debout, t'auras tenu jusqu'au bout. Plus j'y pense et plus je confirme, le courage était sublime. Plus j'y pense et plus je m'incline, tout est légitime. Méphisto, je t'aimais. C'était le respect, en cuir noir ou en kilt, t'as toujours su faire tilt. J'ai chanté une vieille du temps où je faisais du folk, où je croyais qu'il fallait faire 400 000 accords pour faire une bonne chanson. C'était l'époque des Marcel Dadi, Dick Angarn et tout ça, et il y avait quand même de la concurrence en face, donc il fallait tricoter en guitare. Donc Marc, toi, tu y étais, il y a même des fidèles qui 40 ans après sont là. J'en fais une comme ça, pour une nostalgie de cette époque, qui est à peu près injouable et inchantable, mais je vais le faire. C'était
Mais c'est pas la plus facile pour vous à comprendre. On n'est pas con. Ah mais non, mais là c'est même plus de la chanson, c'est même pas du slam, je sais plus ce que c'est. C'est une apocalypse. En fait, ça s'appelle l'apocalypse selon saint Moi. Et en fait, je l'ai fait en regardant la mire, pas la mire là, comment ça s'appelle, la mosaïque, à la télé où il y a les petits carrés, là où il y a toutes les chaînes, et je regardais ça, il y avait, dans tous les petits carrés, il y avait des bombes qui explosaient, que des catastrophes. La fin, dans, enfin, tous les petits carrés, c'était la fin du monde. Ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle l'apocalypse, selon saint Moi. Alors, faut écouter les paroles, hein. faut se concentrer. Et la chanson commence par la fin des choses. Mille condoléances à la vie en rose. Soufflez que je dépose à votre porte close un fleuron de ma prose en forme d'échymose. Planète déguste, joliment pitoyable, le vin de la flibuste est sur toutes les tables, enivrant les cloportes et les anges déchus, que le diable colporte en avant de cohue. Escadron de mendiants, saltimbanques infâmes, qui pour un sou d'argent ont vendu corps et âme à des berlus perchés sur des mâts de cocagne, à nous faire avaler l'épée de Charlemagne. Prédateurs, farceurs, faciès de gargouilles, fils de hyènes en chaleur, vautrés sur nos dépouilles, bavarois, murènes, engeance et croque-mitaines, crachent dans nos fontaines le venin de la haine. Aux clameurs hérétiques des sabbats de sorcières, j'offre la rhétorique de mon pied au derrière, à tous ces matuvus, aux humeurs carnassières, qui se taquent le cul aux portes de l'enfer. Portes de l'enfer. De Lucifer, que fais-tu là, mon frère? Sous la viande ahurie des violeurs de Manille qui écoutent le cri de ces pauvres filles qui, pour quelques dollars, ont cloué leur enfance à la queue d'un renard en aimables vacances. Sous les voûtes d'obus et les bourrasques noires, mille veuves à l'affût attendent les barbares. Spécimens, manucures, péripatéticiennes, elles leur feront, c'est sûr, chanter la tyrolienne. Chanter la tyrolienne pour que la paix revienne. Ça n'en vaut pas la peine. Pas la peine. La guerre tropicale des fils de Brazzaville pourrissent à fond de cale sous le déluge tranquille. Des coups de fouet qui claquent que dans le champ du ressac, imbibé de vérole et de punch créole. Aboyeurs de Londres, assassins de Zoulou, qui regardaient s'effondrer jusqu'au dernier Sioux. Manitou grand fou, pourquoi t'as laissé faire ces avaleurs de choux derrière leur Winchester? Sur les murs de pierre attendent que leur arrive la douce lumière qui leur donnera quittance pour courir les plaines loin de la transhumance des malices humaines. Des malices humaines, des calices de haine. Oh, mille chrysanthèmes, plus rien ne vaut la peine. Prêtres fous, garde-fous des vérités ultimes, qui les pieds dans la boue baptisaient les sardines, éructant les éclipses, vomissant le déluge, prêchaient l'apocalypse en ultime refuge. Ridicule funambule de la bêtise crasse, que le couperet bascule et rogne les carcasses de ces amphitryons boursouflés de croyances aux appétits de lions quant à leur importance. Et puis moi je suis là comme un orphéon, cloué les bras en croix selon la tradition. Crucifié dans l'oubli, j'abandonne aux étoiles le flot d'acrobatie, parcours sentimental. Alors, je m'égare, je tremble, je dis n'importe quoi. Tous les rats se rassemblent à la mort du roi. Trublion, bouffon, embryon de couillon, vous n'aurez pas ma force, parole de crazy horse. Mitouflé en caleçon de lainage, jamais je n'abandonnerai mon âme.
cette vie comblée. Alors adieu les amis, je m'en vais me coucher. Cultivez vos radis, tâchez de m'oublier. Je réjouis sous la terre un million d'asticots. C'était le dernier concert du maestro. Allez, ciao. Une toute petite alors. Je peux, Vanina, parce que... Allez, toute petite, très courte cette fois-ci, parce que il y a encore du monde qui passe derrière. On est un petit peu en retard, mais vous avez vu, bon, c'est beau, ça valait le coup, quoi, non hein. Et puis là, je vous réserve une petite surprise, d'une minute. Je vous dis pas quoi encore, mais c'était sûr. Surprise, surprise. Vanina, je t'en prie. Taisez-vous dans le fond, écoutez, parce que ça mérite aussi, quand même. On va retomber léger, hein, pour finir. Ah oui. Eh ben, je fais des concerts privés, j'ai inventé ce système, je vais chez les gens. Ils m'invitent à dîner. Vous n'allez qu'à venir sur mon Facebook, Hervé Christiani, sans le H, sinon vous ne trouverez pas, vous allez vous énerver, vous allez passer. Donc Christiani sans H. Et là vous demandez comment on fait pour avoir Hervé Christiani en concert privé. À domicile, hein. À domicile. Et comme ça, je peux chanter pendant 2000 heures de suite.